Nous repartons par Rachidia en passant par Tindrir. Un ami de Rachidia nous indique une luxueuse station d'essence, Ziz, route numéro 10, station Ziz Hôtel, restaurant, café, bar, Tamasarsint, près de Tindrir, qui a des chambres avec une suite. Un rêve, surtout que le soir est descendu et que je ne peux plus conduire facilement la nuit. La chambre climatisée jouxte un magnifique salon marocain. Tout est propre, tout est coquet. Nous faisons une petite promenade et nous admirons les Das Amaziren. Puis, après un délicieux repas dont je vous montre les photos, à 23h, je commence à m'habituer à ces repas tardifs. La présentation est magnifique naturellement et la salle de restaurant très agréable. Nous sortons et nous nous dirigeons vers une salle enfumée où de la musique assez forte est diffusée. Avant d'y arriver, nous sommes arrêtés par le patron. Cet endroit n'est pas pour vous. Il n'y a que les hommes qui... Khadija et moi, après avoir éclaté de rire, rentrons dans notre très 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 belle et spacieuse chambre. Nous avons fait un excellent sommeil. Puis, après un agréable et copieux petit déjeuner, nous voilà à nouveau sur la route. Nous sommes le 11 mai. Regardez bien le film qui suit. Nous avons rencontré un chamelier avec son chameau assez rebelle. Le chamelier nous photographie pourtant. Il n'est pas habitué avec la caméra. C'est un peu comme moi à mes débuts. Je m'amuse bien. Remarquez bien comment le chamelier guide son animal. Les dromadaires ou camélidés sont originaires d'Amérique du Nord et ils migrèrent en Afrique à l'époque glaciaire. Les Amaziren, c'est-à-dire les Berbères, se servaient beaucoup des dromadaires pour travailler la terre, utiliser leur lait qui ressemble à celui des vaches, ainsi que leur viande et leur laine. Une seule et c'est tout. J'ai peur pour ma caméra. Je dois avouer qu'en m'approchant, je ne suis pas très 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 courageuse hein, et j'ai un peu peur qu'ils me mordent. Ça y est, on est copains. Thank you.